Bonjour. Je voudrais parler de problèmes de logement. Mais d'un point de vue assez nouveau, si on peut dire. Je pense que le 21e siècle va résoudre le problème du logement. En dédramatisant la question. Le logement, au bout du compte, c'est le fait de pouvoir dormir quelque part. Car tout le reste peut être offert par les services publics, par les bibliothèques, par toutes sortes de lieux, surtout notamment dans le domaine, dans le monde urbain, et on peut savoir que nous, ces situations pour l'humanité s'urbanisent de plus en plus. Donc, l'encadrement urbain, l'environnement urbain, fait que finalement, on sait très bien que les téléphones, moi j'ai dit l'autre il y a quelques temps déjà, je sais que les téléphones portables et tous les contacts internet, les SMS, faisaient que notre civilisation n'était plus liée à des lieux. On peut recevoir des messages partout. Donc même si on n'a pas de lieu de vie précis, on peut mener une vie sociale, on peut être joignable. On n'a pas besoin de chez soi pour qu'on vous téléphone, ni même pour qu'on consulte internet. Sans parler des lieux où on peut aller consulter internet, des cybercafés, etc. Mais il y a un autre cas intéressant, c'est le cas des cartes. J'ai pensé à cela en lisant un article de Télérama sur la Cinémathèque. Et effectivement, il remarquait que pour quelques euros par mois, je ne sais pas, 10, 15 euros selon les âges, non, on pouvait passer un temps fou à la Cinémathèque, depuis 14 heures jusqu'à 23 heures, etc. Et il y a d'autres endroits qui sont liés aussi à d'autres cartes illimitées, qu'on connaît bien, n'est-ce pas, aussi dans différents groupes, les deux grands groupes notamment de distributeurs. Et il y a des gens qui ont donc contracté cette carte qui coûte un peu plus cher que la Cinémathèque, mais qui coûte pas plus d'une vingtaine d'euros par mois. 20 euros, c'est pas exactement le prix d'un loyer. Et quand on fréquente ces salles, certaines de ces salles, notamment des salles d'art et d'essai, notamment vers la rue des Écoles, la rue Champollion, etc., entre autres, qui jouent souvent vers des films un peu anciens, parfois, je ne préciserai pas non plus les noms des salles, on voit une population très particulière, mais sans laquelle ces cinémas ne fonctionneraient pas. Et en fin de compte, ces gens-là, ils ont certainement une carte d'abonnement, pas abonnement à telle et telle salle de cinéma, mais abonnement à un circuit, parce qu'en plus il y a des accords entre les grandes structures et les cinémas d'art d'essai, qui acceptent le pass en quelque sorte, ou acceptent la formule illimitée. Et donc on a des gens qui sont, je dirais, à la limite du statut de SDF, et qui viennent se réchauffer à la séance de 22 heures, etc., pour que la nuit soit un peu moins courte, moins longue. Bon, alors, c'est tout à fait flagrant, hein. Il y a des salles où c'est complètement évident. Ces salles fermeraient carrément s'il n'y avait pas cette population. Ça revient à la théorie sociologique que j'ai développée depuis pas mal de temps, à savoir qu'une chose est officiellement la raison d'être d'un service, comme la cinémathèque, comme telle salle de cinéma, ou telle autre structure qu'on voudra bien imaginer, et les raisons qui font que cette structure fonctionne et connaît une certaine fréquentation. Alors, le problème, c'est cette fréquentation qui permet effectivement de justifier l'existence de cette structure, mais qui finalement n'a qu'un rapport assez indirect avec ce qui est avancé, ce qui est émis. On pourrait aussi penser que certaines bibliothèques, et même la Bibliothèque nationale d'ailleurs, par certains côtés, sont aussi des lieux où pour quelques euros par mois, ou par an d'ailleurs, les gens viennent se réchauffer, viennent passer du temps, et ne consultent même pas les collections. C'est vrai notamment pour le haut de jardin de la Bibliothèque nationale de France, où les ouvrages qui sont en rayon, en libre accès, sont rarement consultés,
où les gens arrivent avec leur propre ordinateur, avec leurs propres travaux à faire. Et c'est quand même un peu dommage de constater, ce qui n'était absolument pas le cas à Richelieu, qu'au site Tolbiac, il y a une grande partie des gens qui viennent parce que ce sont des salles où on peut s'installer et qui n'ont rien à voir avec la Bibliothèque nationale, véritablement. Et on le voit dans les files des gens, de lecteurs, qui attendent pour passer, parce que maintenant il y a Vigipirate, etc. 95% de ces gens dans la file, dans la queue, sont des gens qui vont en Rez-de-Jardin. Et ceux qui sont en Haut-de-Jardin, pardon. Et ceux qui sont en Rez-de-Jardin sont une minorité qui doit attendre aussi de passer, parce qu'on n'a pas prévu deux accès différents. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que probablement, on pourrait imaginer, comme un peu pour le Vélib ou l'Autolib, on pourrait imaginer des endroits comme ça où on pourrait se reposer sans que ce soit ni un hôtel véritablement, ni un logement fixe. D'ailleurs, je crois que la notion de centre de domicile fixe, SDF, elle est vouée à disparaître, en tout cas à être relativisée. On peut très bien imaginer des gens qui ont une sorte de carte d'abonnement qui leur permet de trouver un logement, une petite cellule de logement, où qu'il soit, comme on peut trouver un vélo ou une automobile. Donc à ce moment-là, ils entrent dans cette petite cellule, ils peuvent tout à fait, par exemple, avoir un système informatique qui leur permet de personnaliser leur cellule, c'est-à-dire qu'elle serait équipée de façon à ce que, par exemple, les objets courants, les images, les tableaux, la décoration, soient projetés, si on peut dire, soient installés dans la cellule, sur les murs, et non pas de façon concrète, mais de façon visuelle. Et par conséquent, où que la personne aille, elle trouverait, elle constituerait son propre décor. Éventuellement même sa propre musique, etc., etc. Et donc finalement, la question de l'appartement personnel où l'on revient avec des objets concrets, ça n'a pas beaucoup de sens. Les livres, on peut les lire en bibliothèque, on peut les lire sur ordinateur. De moins en moins, il va y avoir une sorte de dématérialisation des lieux de vie. Hein? Et ça devrait permettre de mettre fin effectivement à des problèmes de crise du logement, crise du bâtiment, etc. On va construire de plus en plus dans les villes des lieux qui comporteront des centaines de cellules, je sais pas moi, de 10 mètres carrés, qui comportent tout le confort nécessairement, etc. Et qui ne sont pas... qui n'appartiennent à personne, il n'y a pas besoin de bail. Simplement, ça rentrerait dans le cadre de ce qu'on appelle le droit au logement. Hein? Les gens ont droit au logement, donc ils ont droit à une carte. Surtout les personnes qui sont justement, qui relèvent de l'aide sociale, elles ont une carte, elles recevront une carte, qui leur donne droit à bénéficier tous les soirs d'une cellule, j'appelle ça cellule qu'on pourrait appeler autrement. Ça renvoie à un peu monacal. C'est pas une question de prison, et qui leur donnerait droit à demeurer là, et puis si tel endroit est complet, ben on leur indiquerait où on peut trouver des logements. Et il n'y aurait pas de promiscuité, parce qu'il n'y aurait pas de dortoir, ce serait très anonyme finalement, et en même temps, dès que la personne entre dans cette cellule, elle peut la meubler, si on peut dire, d'un point de vue virtuel, d'un point de vue informatique. Voilà. Donc je pense que ce serait la meilleure politique pour commencer en commençant par les personnes qui sont en difficulté de logement ou qui ont un loyer trop élevé par rapport à leur revenu. Alors je pense par exemple toutes les personnes qui ont une petite retraite mais qui finalement ont plus de la moitié bouffée par le logement, etc. Enfin, il y a des personnes qui pourraient vivre plus largement si on leur réglait leurs problèmes de logement. Donc je propose que certaines villes, et commencer par Paris éventuellement, mettent en place ces logements qui ne sont pas vraiment des logements sociaux, parce que les logements sociaux prévoient au contraire que la personne habite bien
pendant un certain temps dans un même lieu, mais là il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une sorte de immolib, si vous voulez, comme on parle de vélolib, vélib ou autolib. Ce sont des chambres libres.